Bonjour! On est reparti! On vient d'appeler un Grab, Grab. enfin, c'est l'équivalent du Uber ici, qui vient nous chercher dans 5 minutes, enfin 3 Grab a minutes été même. racheté par Uber en Asie du Sud-Est. Non, Uber a été racheté par Grab en Asie du Sud-Est. Voilà, c'est Donc ce que j'ai bref, compris. c'est très pratique. Hier, on est rentré de la ville, on a mis 40 minutes, on a payé rien du tout, alors qu'en taxi, etc. Non, le problème du taxi, c'est que tu sais jamais si tu vas payer le metteur. Et comme en Thaïlande, les taxis, ils aiment bien la mettre un petit peu aux touristes, bah nous on en a marre. Voilà. Bon, après, c'est le jeu, hein. C'est comme partout, hein. Paris, c'est pareil. Dans un centre commercial, il y a quand même une cascade. Alors pour ceux qui me connaissent, on va au Bath & Body Works, une boutique que j'adore, que j'avais découvert quand j'habitais à Montréal et qui n'existe pas en France. Et les produits ne sont pas vendus en France. Enfin, je les achète par des sites spécialisés qui importent, mais voilà, je paye une blinde, clairement 25 euros une bougie. Enfin bref, et du coup, oui, donc j'adore surtout pour leurs bougies. Et y en a un ici, donc on va y aller. Je vais me faire plaisir, je pense. Pour ma maman, bien Harrods, comme en Angleterre. C'est un peu bizarre d'avoir ça à Bangkok, mais bon. Alors, le centre commercial est tellement énorme. En fait, il est genre en trois parties, hein. C'est trois bâtiments différents. Même sur les plans d'information, on ne trouve pas la boutique où je veux aller. On va peut-être tomber dessus par hasard, hein, mais il faut qu'on trouve un point d'information, mais c'est tellement grand que même le point d'information, on ne le trouve pas. C'est énorme. Hein. Alors, on change carrément de bâtiment. Regardez, alors ça, c'est qu'un bâtiment. Hein. Un bâtiment du centre commercial, là, on en a un deuxième, et là, on était dans le troisième, je crois. Et il est juste en face, le Bath & Body Works. On a quand même une jolie vue. Faire une petite photo de touriste, je l'ai trouvé, il est là. Ouais, je vais faire des dépenses. Bon, Alice est contente comme maman à Bath & Body Works. Bon, ça là, j'ai été raisonnable, j'ai pas acheté trop de trucs. Bon, ça va, j'ai pas acheté trop. Oui, donc ce que j'adore chez cette marque, c'est leurs bougies. Mais là, c'est la collection printemps et. Je suis pas très fan, ce que j'adore c'est leur collection hiver, pumpkin, marshmallow, etc. Une tuerie, mais voilà, là c'est pas les odeurs que j'aime trop. Et ça me fera du poids en moins dans la valise, voilà. Bon, alors ici ils font pas les choses à moitié hein, pour changer les bébés et les enfants. On peut tous faire pipi ensemble. Les ascenseurs de ouf. La pauvre Alissou qui a vraiment pas de chance, regardez où elle s'est fait piquer mon bébé. Dans la main. Oh là là, pauvre bébé, t'as vraiment pas de chance, hein, t'es comme ta mère toi. Tu me donnes? Merci! Tiens! Elle est en pleine période donner, reprendre, donner. Elle est toute contente. Le Uber, enfin dans le Grab, pour aller dans un autre centre commercial, d'un tout autre acabit. Nous allons vous montrer ça. Alice, comment il fait le chat? Oh! Comment il fait le hibou? Non, il fait pas du tout comme ça le hibou. La réaction d'Alice quand on met Baby Shark, c'est sa chanson préférée. Dire que cette vidéo comptabilise plus de 1 milliard. Alors nous sommes arrivés au MBK Center. Merci Anne-Charlotte, alias Mad Girl sur Skyblog, pour le conseil.
grâce à toi, nous sommes ici aujourd'hui. Donc voilà. C'est un espèce de gros centre commercial avec des... Je sais pas si on peut appeler ça des bouis-bouis, quoi, mais c'est pas des... des marques, des... enfin je sais pas comment dire. Enfin bref, vous allez voir. On va voir aussi en même temps parce que je ne connais pas. Bisous. Dans une boutique où il y a plein de... Alors, je sais pas vraiment si c'est coréen, chinois, japonais, enfin bref, tous les cosmétiques. Les moumines. Oh, il y a même une clinique. On peut se faire opérer. Je peux aller me refaire les seins. Je suis bibi, tu vas te faire un tatouage et je vais me refaire les seins, une petite liposuction. Et là, je peux, là, c'est la clinique. Toujours dans le centre commercial, mais... On peut jouer au foot ici, en fait. C'est spécial. Les poufs cochons. C'est pas si cher, hein. 1400 bahts. Ça fait... ça doit faire quand même 1400 c'est ce euros, que hein. J'ai payé... Après, 1400, ça doit quand même faire 450 euros, non? C'est ce que j'ai payé chez Bassin Body Works. On cherchait la Food Avenue. Pour aller manger. Tous les genres de cuisine, thaï, enfin, asiatique, japonais, italien, tout ce qu'on veut. Donc bah là en gros on va choisir hein, et puis on paye à la fin. On a partout. Ça me rappelle un peu Candy au Sri Lanka mais en. Et alors ce qui est génial ici c'est que tu as toujours les plats en... Voilà, ils te montrent les plats exposés. Bon ben on va voilà, j'ai choisi japonais, en ce moment j'ai envie de japonais. J'ai pris un petit set chicken teriyaki. Ça, c'est celui qui est exposé. Tu vas prendre ici aussi? Ouais, ben, je vais prendre la même chose je crois. Ah, bon ben voilà. On a un milliard de trucs possibles en choix et on prend tous les deux la même chose. Miam 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 miam. Toi, tu manges quoi? Du gâteau. Pas possible, regardez ce que je viens de trouver pour Alice. Le livre de Baby Shark. Voilà, on l'a déjà pris. On va prendre le livre de Baby Shark. Voilà, voilà. Vive ma vie de parent. On récupère seulement le téléphone parce que du coup, comme on est à la section high-tech téléphone, on vient d'aller faire changer le dos de nos téléphones. Bah oui, moi j'ai... Toujours protéger mon téléphone, sauf la semaine dernière une fois pour aller à la piscine. Et bien sûr, Alice me l'a fait tomber, donc ça m'a fissuré tout l'arrière du téléphone. Explosé l'arrière du téléphone, explosé. Donc là, on l'a changé à peu près pour 15 euros chacun. Au final, ouais, c'est on s'en sort plutôt même, bien. Ça se trouve, c'est des trucs réutilisés, hein, parce qu'en Thaïlande, ils réutilisent. Enfin, il y a beaucoup de. Enfin, ça se fait plus en plus en France d'ailleurs. C'est beaucoup de téléphones réutilisés, enfin, bref, donc, du coup on l'a changé pour à peine 15 euros. Et c'est con, du coup, on a fait plein d'achats rigolos, mais on n'a pas pu filmer. Mais on fera un petit haul à la fin de la journée. Et un petit aperçu, ça c'est la taille centre commercial, et ce n'est que le troisième étage. Et il y en a quoi? Il y a 7 étages. Dans le bâtiment, en fait, il y a à peu près 2000 magasins, 2000 petits shops en fait. C'est énorme. Si on va au dernier étage, il y a bowling, cinéma et tout ça. Et chaque étage. Enfin, par exemple, là on est à l'étage électronique, téléphone, etc. Il y a un étage pour la bouffe. Et là c'est l'étage un peu ce qu'ils appellent fashion, etc. Génial, hein. Tous leurs produits, ils font des pyramides de produits, ça tient en équilibre. Hein. Il y a une petite mamie en train d'empiler. Ils empilent tous leurs trucs. Alors, je sais pas comment ça tient sans se péter la tronche. Ah, encore un stand Supreme. Non mais il y a du Supreme partout en fait. Hein. Tu vois, attends. Alors un petit truc avec la Thaïlande, c'est qu'il faut savoir qu'en fait Alice a le sommeil très 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 léger. Le moindre petit bruit, ça la réveille, mais depuis qu'on est ici,
Elle dort n'importe où, avec n'importe quel bruit, ça ne la dérange plus. Tant mieux, ça aura eu ça de bénéfique en plus pour elle. Je ne sais pas si sur la vidéo vous arrivez à vous rendre compte de la longueur du couloir. Enfin, clairement, on n'en voit pas le bout. Hein. C'est géant. Les allées de Nawak. C'est comme au marché, hein, en fait. Sauf que c'est un centre commercial, mais... Et voilà. Oui, la réalité. Alice n'est pas toujours souriante et rigolote. La meuf. Elle râle très rarement, mais quoi que là, à la fin. Donc c'est une raison valable. Tu prends ? Pas du tout feignante, hein. Je veux bien que tu sois fatiguée, Alice, mais quand même. Ça va, ma belle ? Bien la fille de son père, celle-là. Mademoiselle devient très capricieuse, donc sa bonne petite purée, enfin sa compote, elle n'en veut pas. Elle hurle jusqu'à ce qu'on lui donne un gâteau. Dans mes amis parents, si vous avez une solution pour les premiers caprices de Mademoiselle Alice, qui hurle dès qu'elle n'a pas ce qu'elle veut et surtout qui sait ce qu'elle veut, hein, n'est-ce pas ? Je suis preneuse de conseils. Et allez, le gâteau. Bon, rassurez-vous, elle ne mange pas que du gâteau non plus, hein, mais bon. C'est une grande partie de son alimentation depuis qu'on est ici quand même. Du coup, c'est moi qui mange la compote d'Alice. Hein. Première petite barrette pour Alissou. On vient lui acheter une barrette. Parce qu'elle a ses cheveux un peu dans la tronche en ce moment. Trop mignonne, bébé. Il y a un jeu avec des machines à laver. Celui qui fera son linge le plus vite. Oh là 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 là, c'est génial. Oh my god, c'est quoi leur truc là ? Le mec est un ouf. Le gars vient quand même avec ses gants pour jouer. La taille des peluches que tu peux gagner. Je pense même pas qu'elle passe dans le trou, celle-là. Oh, regarde cela. Alice, elle sait plus où donner de la tête. Elle va faire de la pêche. On a pris notre petite pièce. Moi, je vais essayer les petits phoques. J'ai déjà fait mon réglage. Oh non, j'ai pas réussi. Alice, il va attraper les petits lapins. Un arbre à lapin pour Alissou. Oh, il est trop bien de voir. Hop, 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 hop. Bah oui. Commercial d'une autre allure. Hein. Ah oui, c'est pas là où on était tout à l'heure. Bon, là par contre, on traverse juste. Hein. On va prendre la parcelle. Hein. Il y a même des cascades dans les magasins. Pas trop pour notre porte-monnaie ici. Dernière soirée à Bangkok, repas très superficiel,
Vu que nous sommes des provinciaux et que nous n'avons pas Uber, Deliveroo, etc., profitons de... des joies de la vie citadine. De, voilà, de ce concept. Et on se fait comme des gros sales. Voilà. Un paqui, pas un indien. Un indien pour finir. C'est ça. Alice est prête à aller au lit, tout est fait. Après cette journée bien superficielle d'achat et de... de craquage complet, en tout genre. Et voilà. Bonne nuit, à demain. À demain, Alice. Bon, Alice s'en fout, elle veut pas vous dire à demain. Elle est occupée. Voilà. Alice, tu te coiffes les cheveux? Tu te coiffes? Oui, tiens-la bien. Oui. Ouais, t'es belle. C'est un truc de fou.